Mes salutations à toutes et à tous les petits amis, c'est Psycho et on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Dota. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Dota comme ça là, en vidéo et tout, et surtout en direct. Parce que les dernières vidéos que j'ai eu l'occasion de faire sur Dota, c'était en différé, vu que je les commentais en différé et tout. Et donc voilà, j'espère seulement que ça va bien se passer, on verra bien comment ça va aller. On va voir un petit peu ce qui se trame par là dans l'équipe adverse, voir un petit peu ce que je peux prendre. Moi je joue essentiellement support, toujours, comme vous pouvez voir dans les persos que j'ai ici. Il y a du gros méchant là derrière quand même, hein. Il y a du gros méchant, notamment Puck et Slark, je les aime pas du tout. Du tout. Donc, faut voir un petit peu ce qui va se passer dans mon équipe. Là, pour l'instant... Qu'est-ce que c'est que cette top lane de... Bon, d'accord, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai bien envie de jouer un liche casse-couille. Ouais. Ok, donc, c'est très bien ça, c'est gentil. Voilà. Alors, donc, les petits amis... Dans les nouveautés, déjà je vous avais dit que j'avais terminé le script du deuxième épisode. Ok, d'accord, ils vont commencer. Alors, deux secondes. Ce bot. Il vient. Ok, très bien. Donc, voilà. Dans les nouveautés, ce qui se passe, c'est que j'ai du nouveau matériel déjà. Et du coup, concernant le deuxième épisode de Vige, j'avais commencé à enregistrer les voix. Mais comme j'ai du nouveau matos qui modifie la qualité de mon enregistrement, eh bien, du coup, il faut que je recommence les voix que j'avais enregistrées. Je vais essayer d'en faire une grosse partie aujourd'hui, mais aujourd'hui, vu que c'est mon premier jour de congé, je vais surtout me baser sur le fait de vous enregistrer enfin des vidéos, parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en faire ces derniers temps, et vous devez me détester d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Dégage-toi. Dégage-toi! Merde. Nope! Il m'aura pas, je m'en fous. Ok, je back. Ça va être super chaud de commenter tout en jouant. Parce que c'est pas du tout mon rayon. Je sais. Enfin, sur Dota en tout cas. Parce que sinon, j'ai quand même 700 vidéos où je parle et je joue en même temps. Mais c'est pas du tout mon rayon de jouer à Dota et de parler en même temps. Parce que je suis pas du tout habitué. Mais bref, sauf concernant le jeu, mais voilà. Donc, comme j'ai du nouveau matériel, il va falloir que je réenregistre les voix que j'ai enregistrées. Donc là, je repars à zéro concernant l'épisode 2. Je suis désolé, ça prendra un peu plus de temps. Je vais pas dire que d'habitude, parce que finalement il n'y a pas une grosse différence, vu que c'est jamais que le premier épisode que je sors. Donc voilà. Donc toujours est-il que avec ce nouveau matériel, je peux enfin utiliser mon compresseur. Donc pour information, j'ai un nouveau préampli. Pour ceux qui connaissent un petit peu le truc, ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous si ça vous intéresse. Ne vous renseignez pas si vous en avez rien à foutre. Mais je ne vais pas vous soumettre des explications, etc., etc., etc. Moi-même d'ailleurs, je ne saurais pas vous expliquer précisément de quoi il retourne. Mais bon, toi tu vas me tirer dessus, je le sens déjà bien. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Donc, comme j'ai un nouveau préamp, je peux enfin utiliser mon compresseur. Et d'ailleurs, normalement, vous devriez entendre une petite différence. Pas bien énorme à vos oreilles, vu la compression que fait YouTube. Mais moi, en tout cas, je l'entends. Et c'est très bien, moi, ça me convient. Bref. Donc ça, en premier lieu. Dégage-toi. En second lieu. Et ça, c'est un très bon lieu. C'est un très bon lieu. J'ai précommandé... The Binding of Isaac Rebirth, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc j'ai précommandé ce jeu. Ce qui est une bien bonne chose, simplement parce que toi tu commences à me faire un peu mal et ça m'ennuie. Viens là, toi. C'est une bien bonne chose parce que du coup, comme notamment il est prévu, sa sortie est prévue pour le 4 novembre. Donc un jour après mon anniversaire, si vous voulez me faire des cadeaux, c'est le moment, c'est l'instant. Dégage toi, je te vois déjà tellement arriver. Donc, logiquement, à ce moment-là, je suis en congé. Ce qui est très bien beaucoup, étant donné que du coup,
Je vais peut-être bien pouvoir vous faire un petit live dessus. Et si j'ai la possibilité, même je vous ferai un grand live dessus. Voilà, voilà. En autre chose, très bien beaucoup, à peu près pour la date de mon anniversaire aussi, je vais recevoir une suite de logiciels absolument terrible. Dégage-toi. Je vais recevoir une suite de logiciels absolument terrible. Qui n'a rien à voir avec les jeux, qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, mais par contre qui ont un grand rapport direct avec la musique et le sound design et tout le bordel, ce qui fait que du coup je vais pouvoir vous faire un habillage sonore beaucoup plus intéressant quand je vous ferai des vidéos d'infos, mais bon, ça on verra bien. Mais surtout pour Vige et autres créations musical dont j'aurais besoin dans mes vidéos, mes créations ou autres. Et ça, c'est une très bonne chose parce que du coup, je vais pouvoir me laisser aller musicalement parlant et surtout d'une manière plus professionnelle parce que la qualité est vraiment tip top au rendez-vous. Ça, c'est absolument génial. Pour ceux qui connaissent Native Instruments, c'est la version Complete Ultimate 10 qui va sortir là bientôt, tout récemment. Donc c'est une super méga hyper bonne chose. Et voilà, et maintenant je vais me décider à jouer un petit peu correctement parce que là je suis un peu en train de faire de la merde. Et voilà, dégage toi. Vas-y. Non, casse-toi, c'est très bien. Non, d'accord, ça va, ok, je m'en vais, c'est bon, je me barre. J'ai vu qu'il y avait... Un nouveau Super Meat Boy qui était prévu. Autant vous dire qu'il est strictement hors de question. Dégage-toi. Il est strictement hors de question que je l'achète. Même que je vous fasse des... Non, je n'aurais pas t'aider. Désolé mon gars. Il est absolument hors de question que je vous fasse des vidéos dessus. Ça, faut même pas y penser. C'est pas la peine. Par contre, j'essaierai de reprendre de temps à autre des petits lives de ci, de là. Parce que je m'amusais bien à faire des lives. Et puis j'ai passé mon temps aussi quasiment à chacun de ces lives à rejoindre en gras. Parce qu'il a commencé les lives. Et d'ailleurs, si voir des lives vous intéresse, eh bien, allez-y. Il gère plutôt bien. C'est assez chouette à... Putain, Kunka, t'abuses. C'est assez chouette à voir. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer quelques fois. Et si vous pouvez juste me filer un coup de pouce, ça serait super. Merci. J'ai eu l'occasion d'y participer quelques fois. C'était assez sympa. En l'occurrence, on a fait du Blood Bowl. Et c'était plutôt drôle. Voilà. Nope. Ouh, quelle esquive! Ouh, allez! Zut. Oh! Oh! Bien! Joli passif! Allez! Chop! 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 Boum! Who's your daddy now? Faut de la mana. Cadeau. Boom. Mais vas-y, hein, balance ta petite flèche si ça t'amuse. Bitch. Boom. Ça, c'est du support. Je suis en killing spree. Mana. Je te donne une défense quand même parce que je suis trop gentil. Et c'est bien parce que je suis gentil. Allez, le petit coursier. Viens à moi. Et confiance. Crois en moi. Oh! Quel ulti complètement pourri! Bravo! C'était un ulti pourri! Qu'une pièce! Boum! Ouais, les supports de Fifou! On est trop bon! Moi, je vous le dis! Je suis sûr qu'il y a moyen de mieux faire, hein, mais on est quand même trop bon. Yop, t'as vu, c'est-tu. Aïe, on n'a pas vu celle-là. J'ai moins de cooldown là-dessus, j'ai 20 secondes, je crois. Ouais, 20 secondes, avec 70% de conversion de santé en mana. Et ça, c'est très très bien, vachement beaucoup. C'est bon, c'est une bonne partie.
J'avais peur parce que c'est pas la première fois que j'essaye de filmer une partie sur Dota. Et à chaque fois, c'est une catastrophe nationale, quoi. Je me fais rétamer, mais c'est monstrueux. Coucou! 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 Tu vas où toi? Boum! Et il le dit pour moi! Boum! Et hop, c'est le team wipe! On est trop fort! On est trop fort, les petits amis, moi je vous le dis! Merde! Moi je suis trop con à utiliser mes spells dans le vide! C'est pas ce que je voulais faire, messieurs, je suis désolé! Tiens! Hein? Ouais? Non? Tant pis! Genre je. Quand il a la vision, il hook pas. Quand il l'a, il hook. Quand il a la vision... Enfin, bref, vous avez compris. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes une fois. 1000 fois. Bam. Oh, c'est dégueulasse, ça. Bam. Refresh, ça pourrait être drôle. On va se la jouer ultra fun. Balancer deux ultis dans le tas, ça pourrait être très marrant. Ah putain, t'es sérieux? C'est dégueulasse. Bon. Tiens. Ferait peut-être bien d'aller attaquer cette tour là, non? Non, 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 rien à foutre. Strictement rien à foutre. Bah oui, viens te suicider. C'est tellement plus drôle. Et c'est moi qui l'ai eu. Et putain, je suis pas mort une seule fois. Ça change ma vie. Hey, 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 comme je lui caresse tous ces trucs, quoi. C'est n'importe quoi. Du coup, on est à combien là? 3550. Ben, on n'est pas fort loin. On n'est pas fort loin. Coucou. Voilà. On y est presque. Et ça, je peux venir le chercher dans la base de la team adverse. Donc voilà. J'aurai ma refresh. Hop là. Encore un peu, on m'envoyait dans la base hein, quand même. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je sais pas les ultis là des fois. Oh, tu m'emmerdes, Pudge. Ah, dégoûtant, horrible, ignoble, crève. Comme il fuit, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je peux prendre du coup? Je crois qu'on va plus rien acheter, mais ça servira plus à grand chose d'acheter de toute manière, mais bon. Bon bah voilà. Ah non. Bah si si, voilà. Bon bah. GG! Oui! C'est le team! Et ben voilà les petits amis, je suis content! Je suis content de moi! Première partie de la journée, première partie de la semaine d'ailleurs, parce qu'on est quand même lundi, c'est logique. Et je gère de la fougère et c'est très bien! Bon, l'équipe adverse était nulle aussi, il faut bien l'admettre. Mais c'était cool! C'était cool, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas eu l'occasion de parler énormément, simplement parce que comme je vous dis, hein, jouer à Dota et en même temps parler, c'est pas simple parce qu'il faut quand même rester pas mal concentré, c'est pas comme un petit jeu où on peut faire un peu nawak et c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao ciao, à la prochaine et d'ici là portez-vous bien, salut salut.